Hello, voilà, c'est le dernier jour, le jour numéro 10. Et aujourd'hui, je n'ai malheureusement pas en fait le livre en version papier. Donc du coup, je l'ai trouvé plutôt en version PDF sur mon téléphone. Mais je vous tenais quand même à vous lire. C'est un livre qui s'intitule Gouverneur de la Rosée, écrit par Jacques Roumain. Et c'est genre mon livre. Je le surkiffe. Il est énorme. Pour ceux qui me connaissent, si vous avez entendu le mot combité, pour ceux qui me connaissent, il vient de ce livre. C'est publié aux éditions Mémoires d'Encrier en 2007. Et je vais vous lire des extraits des pages 56 à 58. Dans le prolongement de la route, il la vit venir. Il la reconnut aussitôt à sa robe sombre, à son madras blanc, et parce qu'elle était grande, qu'elle seule avait ce jet pur et souple des jambes, cet oscillement des hanches dans la douceur, et parce qu'il l'attendait. Il marcha lentement vers elle. Je te dis bonsoir, oui, Anaïs. Quelques pas les séparaient. Ôte-toi de mon chemin. Elle respirait fort, sa poitrine se soulevait. Raconte-moi ce que je t'ai fait et pourquoi nous sommes ennemis. Elle lui dérobait son visage. Je n'ai pas à te bailler d'explications, je suis pressée. Laisse-moi passer. Réponds-moi d'abord. Je ne veux pas te faire des violences, Anaïs. J'ai de la bonne amitié pour toi, crois-moi, en vérité. Elle soupira. Aïe, mes amis, en voilà un homme entêté. On dirait qu'il n'a pas d'oreille pour entendre. Je te dis de me laisser continuer mon chemin. Oui. On voyait qu'elle faisait un effort pour l'impatience et le mécontentement. Je t'ai cherché tout partout, mais tu te cachais comme si j'étais le loup-garou lui-même. Je voulais te parler parce que je sais que tu peux m'aider. Moi, t'aider et comment ça? Fit-elle surprise. Pour la première fois, elle le regarda et Manuel vit qu'il n'y avait pas de colère dans ses yeux, mais seulement une grande tristesse. Je te dirai si tu veux m'écouter. Les gens vont nous voir, murmura-t-elle faiblement. Personne ne viendra, et même si. Est-ce que tu n'es pas fatiguée, Anaïs, de toute cette haine qu'il y a, à l'heure qu'il est, entre nous? On a assez de peine comme ça avec l'existence, c'est vrai. Ah, ce que l'existence est devenue difficile, Manuel. Elle se reprit très vite. Laisse-moi partir pour la grâce de Dieu. Alors, tu n'avais pas oublié mon nom? Elle répondit d'une voix éteinte. T'en prie, ne me tourmente pas. Il lui prit la main. Elle voulut la lui retirer, mais elle était sans force. Tu es une bonne travailleuse, on dirait. Oui, dit-elle avec fierté. Mes mains sont usées. J'ai à faire un grand causer avec toi, tu sais. On n'aura pas le temps. La nuit vient. Regarde. Le chemin s'effaçait, les arbres noircissaient et se fondaient dans l'ombre. Le ciel n'avait plus qu'une lueur hésitante, assombrie et lointaine. Seul, au plus bas de l'horizon, un nuage rouge et noir se dissolvait dans le vertige du crépuscule. Est-ce que tu as peur de moi, Anaïs? Je ne sais pas, fit-elle dans un souffle oppressé. Demain, vers le tard de l'après-midi, quand le soleil sera au pied du morne, je t'attendrai sur la butte des lataniers. Est-ce que tu viendras? Non, non. Sa voix était basse et effrayée. Anna, dit-il. Il sentit sa main trembler dans la sienne. Tu viendras, n'est-ce pas, Anna? Ah, tu me tourmentes. Et c'est comme si j'avais perdu mon bon ange. Pourquoi me tourmentes-tu, Manuel? Il vit ses yeux pleins de larmes et entre ses lèvres qui suppliaient l'éclat humide de ses dents. Il lâcha sa main. Voici la nuit, Anna. Va en paix, va reposer, ma négresse. Elle n'était déjà plus là. Ses pieds nus, en s'en allant, ne faisaient pas de bruit. Il dit encore, je vais t'espérer, Anna. Gouverneur de la Rosée, Jacques Roumain. 2007. Et c'est ainsi que s'achève ce moment fantastique, ces 10 jours qu'on a passés ensemble où je vous ai
lu 10 extraits de 10 romans qui m'ont marqué. Il y a beaucoup, beaucoup plus de romans, mais on va s'arrêter là pour le moment. À bientôt. Ciao.